Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de gagner beaucoup d'XP et monter très rapidement en niveau sur Fortnite saison 3, chapitre 3. Alors, pour réaliser cette astuce, moi ce que je vous conseille c'est d'aller à la cascade de réalité. Voilà, vous allez juste ici et là vous cherchez des arbustes de réalité. Donc regardez, là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, parfois j'en ai déjà vu 9. Je crois que le maximum que j'ai vu c'en était 9. Donc on va commencer, regardez, il y en a même 6. On va commencer par celui-là, on va le désherber. Donc regardez, hein, ça me donne déjà 1000 d'XP, 2000 d'XP, 3000 d'XP. Ensuite, on va cueillir les champignons. Ça va donner aussi des XP. Voilà. Ensuite, on cueille les fruits. Ça donne aussi, regardez, 3000 XP, 5000 XP. C'est juste hallucinant. Et vous faites ça en illimité, les mecs. Hein. Vous faites ça en illimité, vous allez voir que vos niveaux, vous allez les grimper d'une de ces vitesses. Donc ensuite, ce que vous faites... Nouveau cercle, 1500 XP, au calme. Ce que vous faites, c'est que vous allez au deuxième arbuste de réalité. Enfin, que tous les arbustes que vous avez croisés, hein, tout simplement. Hop, on désherbe. Commencez par le désherbage, comme ça, quand vous avez désherbé, ben, vous ramassez les champignons pendant que les fruits poussent. Voilà, quand les fruits sont poussés, vous les récoltez. Et là, vous faites full, full, full XP. Hop. Alors, imaginez quand il y en a 9. Les XP que vous pouvez faire, c'est hallucinant. On va essayer de calculer même. On va essayer de calculer pour voir. Regardez, là, il y a encore un arbuste. En plus, regardez, là, il y a carrément les fruits dessus. Donc là, c'est encore plus cheaté. Donc là, ça fait 2000, 6000, 4000, 6000, 6000 à 7000, 8000, 9000. On est déjà à 10 000, quoi. 10 000 XP avec un arbuste. 10 000 XP, on va dire 11 000, 11 000, 13 000, 15 000, allez, 17 000 XP avec un Arbus, fois 10 on va dire, ça fait 170 000 XP en quelques minutes, hein, s'il y a 10 arbustes ici, vous faites ça en 5 minutes quoi, 5-10 minutes quoi. Hop, on continue, regardez, ramassez les fruits avant de désherber, sinon les fruits ne repoussent pas. Il y a 3 désherbages, donc ça va, j'ai le temps de le faire. Hop, on désherbe, on ramasse les champignons. Regardez-moi, c'est un truc de fou. Pourquoi je peux... Ah, je peux pas le consommer parce que je suis à fond dans ma vie. Hop, regardez, 7000 XP. Ah ouais, c'est parce que j'ai gagné des 5000 XP d'avoir ouvert des fruits. On continue, regardez, il y a encore des arbres, il y a encore des arbres. Par contre, lui, il a pas de désherbage. C'est possible qu'il y a des arbres qui n'ont pas de désherbage parce que, ben, tout simplement, le propriétaire de l'arbre a désherbé son arbre, son arbuste. Donc là, regardez, il y en a encore un là-bas. Vous avez vu en quelques minutes... Ah non, il y en a encore un là-haut. Oh, on va pas le laisser passer celui-là. Hein. On va aller le chercher, mon gars. Le plus long, en fait, c'est de se déplacer d'arbre en arbre. Après, c'est pas tout, hein, c'est pas la seule astuce. Je vais vous montrer une autre astuce, hein, parce que c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Ça, c'est avec l'astuce des arbres, mais ça va, tu vois. C'est pas encore trop foufou. Ah si, c'est excellent même, c'est incroyable. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que sur Fortnite, maintenant, Battle Royale, ils ont augmenté l'XP sur les coffres. Les coffres, les boîtes à outils, les caisses de munitions, tout. En fait, ils ont augmenté tout ce que vous pouvez interagir, ils ont augmenté l'XP. Donc, ce que vous devez faire, c'est tout simplement interagir avec des coffres, des boîtes de munitions. Je vais vous montrer, là, je vais ouvrir un coffre, vous allez voir. Regardez-moi ça, les XP que je me fais, c'est incroyable. Hop, hop, voilà. On récupère l'or, bien entendu, les amis. On récupère l'or. Ensuite, on ouvre les fruits. Donc, soit... À ce moment-là, vous relancez la partie et vous farmez que les arbustes de réalité. Ou soit vous continuez la partie, mais vous cherchez absolument à ouvrir tous les coffres des emplacements que vous connaissez, bien entendu. Donc là, vous ouvrez le coffre, regardez, 1500 XP. Chaque coffre que vous allez ouvrir, vous allez gagner 1500 XP. Donc je sais bien qu'il y a un coffre ici, par ici. Ah, il n'y est pas cette fois-ci.
Ah si, il est là. Voilà, parfait. Voilà, 1500 XP. Continue. Ouais, c'est un peu plus long les coffres. Hein. Moi, je vous conseille quand même de farmer les arbustes. Mais bon, les coffres sont très rentables. Regardez ici, il y a 3 coffres. 1500, 3000, 4500. Voilà. Et je pense que même avec les boîtes de munitions, ça vous donne pas mal. Hein. Je vais aller dans la maison là-bas. Est-ce que je peux voler ici, non? Normalement, je peux voler, non? Ouais, voilà. Je vais aller dans la maison là. On va aller chercher une boîte de munitions pour voir combien d'XP ça rapporte. Donc en vrai, même pas besoin de tuer les gens. Hein. Vous baladez dans la map, vous ouvrez des boîtes de munitions. Ouais, ça donne 1000 d'XP. Chaque boîte de munitions, ça donne 1000 d'XP. Incroyable. Vous baladez dans la map, vous ouvrez les coffres, les boîtes de munitions, les arbustes de réalité, tout ce que vous voyez, vous interagissez avec et vous allez faire masse XP en très peu de temps et très facilement. Même les caisses de fruits, je crois. Regardez, hop, caisse de fruits, 700 XP. Boum. Donc voilà, en vrai, c'est très 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 facile. Hein. C'est pas si difficile que ça de monter en XP en vrai sur cette saison. Je pense que, regardez, je suis déjà niveau 9. J'ai commencé début de niveau 8. En 6 minutes, j'ai pris 100 000 XP en 6 minutes. Et encore, hein, là, je traîne. En vrai, le plus long, en vrai, c'est de relancer une partie. Parce que ça va être chiant, de relancer à chaque fois une partie. Parce que le chargement et tout. Mais donc, soit vous restez dans la game et vous cherchez des coffres. Mais bon, ça, c'est long aussi de chercher des coffres. Déjà, je le trouve pas, ce coffre. C'est quoi cette histoire? Il est où? Ah non, c'est pas un coffre. C'est une machine à glaçons. Mais ça marche aussi. 1500 XP, coffre à glaçons. Hop. Donc voilà, soit vous relancez les games en illimité et vous faites les arbustes. Oh là là, un coffre rare. Coffre rare, 1500 XP aussi. Ou soit vous continuez votre game et vous interagissez avec tout ce que vous pouvez dans la map de Fortnite. Moi, ce que je vous conseille, franchement, ce qui est le plus rentable, hein, bien entendu, c'est d'interagir avec tous les arbustes de réalité. Donc, il y a 2 emplacements possibles pour réaliser cette astuce avec les arbres de réalité. C'est ici à la cascade de la réalité, parce que là, il y en a vraiment full. Ou alors, vous venez ici, juste au-dessus de la bomboche. Juste ici, il y a aussi des arbres de réalité que certaines personnes créent, parce que il y a des fruits de réalité que vous pouvez obtenir là-haut. Donc, principalement, les gens vont à la cascade de la réalité, mais quand ils se rencontreront que leur arbuste de réalité est super important dans le jeu, eh bien, ils vont plus les laisser là. Donc là, l'astuce, elle fonctionne parce que les gens, ils connaissent pas vraiment comment fonctionne vraiment l'arbuste de réalité. Et même si vous ne connaissez pas comment fonctionne l'entièreté de l'arbuste de réalité, n'hésitez pas à aller voir en description, en commentaire épinglé. Je mettrai une vidéo qui vous explique l'entièreté, un guide complet sur justement cet arbuste de réalité. Parce que franchement, c'est très complexe et c'est très avantageux. C'est un truc, franchement, c'est une tuerie, quoi. Hop. Enfoiré, là. Donc c'est une tuerie. Franchement, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en description, en commentaire épinglé. Si vous ne savez pas comment utiliser les arbustes en réalité, après cette vidéo, vous saurez tout, absolument tout, de cet arbuste. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.